Après avoir trouvé tous les trésors de Red Dead Redemption, on part maintenant à la recherche des récompenses d'Avatar. La première récompense se trouve sur la map à Riley's Charge. Vous devez localiser les restes d'une maison qui a passé au feu. La récompense se trouve dans un coffre à droite de la porte d'entrée. Vous avez donc déverrouillé deux chandails rouges de Red Dead Redemption pour votre avatar. Vous pouvez aussi déverrouiller un sombrero en tirant sur le chapeau d'un ennemi. C'est très facile à réaliser et ça devrait vous arriver très tôt dans le jeu. Pour avoir la troisième récompense, il faut être rendu assez loin dans le jeu et avoir accès à la maison de John Marston à Beecher's Hope. Tournez à droite à l'entrée et montez l'échelle qui mène au grenier. La récompense se trouve dans le coffre. Vous avez donc déverrouillé deux chandails noirs de la compagnie Rockstar pour votre avatar. Les autres récompenses ne sont pas encore disponibles pour l'instant. Elles devraient l'être dans de l'éventuel contenu téléchargeable.